Commandant, commandant! Y a-t-il, jeune puceau de stagiaire? Je crois qu'on est en train de perdre le signal de la sonde Voyager 1. La sonde lancée en 1977, qui est sortie de notre système solaire en 2013, qui nous permettait de découvrir enfin ce qui se passe hors de notre système et qui en 28 ans nous a coûté plus de 2 milliards de dollars? Oui, voilà, c'est ça. C'est bien, c'est... C'est pas bien, en fait. Mais fais attention, Bat! Ouais, ben, ça va, il avait qu'à être peint aussi! L'espace est suffisamment grand, non? Oh, merde! Je capte plus le wifi de l'appart, je voulais commander des pizzas! Ah ouais? Tu penses qu'il livre ici? Je sais pas, je voulais essayer. Hein? Eh, Gaël? Quoi? Regarde, toi, devant! Je vois rien! Et là, tu vois toujours rien? Ah, trop marrant! Oh mais qu'est-ce qui se passe? Mais là je sais pas mais j'aime pas ça! T'aimes pas trop ça comme la fois où j'avais mis mon... Ah, oh, oh, oh mais là qu'est-ce qui se passe? Oh non, ça doit être à cause de la collision de tout à l'heure! Ça a dû faire des dégâts! Oh, il va falloir qu'on se pose sur cet astéroïde là-bas! Ok, j'active le rétro-booster! J'ai un problème avec le levier! Ok, je recalcule la trajectoire de descente! Ok, le manche est beaucoup trop dur! J'ai besoin que tu m'aides! Tire un peu plus! Accroche-toi! Accroche-toi! Je m'accroche à ce que je peux! Ouh. Bien joué! Merci! Allons constater les dégâts de l'extérieur! Oui, allons voir ce qui se passe! Waouh! Waouh! Vraiment sympa cet astéroïde! Ouais, bah ça sent un petit peu la crotte, mais c'est cool. Viens, allons constater les dégâts. Ouais. Oh, flûte, c'est le réacteur principal qui a été touché. Oh, mais comment on va faire? Attends, fais voir. Chichi, chouchou, glace, carburateur, chips. Ah, mais faudrait changer le carbu, mais je pense pas qu'on l'en trouve ici, hein. Glace, carburateur, chips, chien mort. Qui en veut? Je crois bien que c'est notre jour de chance. Nous, monsieur. Nous. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Sinon, j'ai aussi quelque chose de plus... Aïe! Ah, merci, monsieur, c'est gentil, mais nous, il nous faudrait juste un nouveau carburateur et un paquet de chichis. Très bien, ça ferait 4 milliards de zobors. 4 milliards? Mais comment on va faire? On a que des euros. Ça fait 2,50€ en euros. Ah, ouf! Par contre, j'ai que de la petite monnaie. S'il vous plaît. Merci, monsieur. Oh, on a vraiment le cul bordé de nouilles. Odentine, Odentine and Odentine. Adieu, mes amis. C'est comme la fois où je t'avais dit avec le... Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ou j'appelle la police. C'est vraiment si ça chauffe, hein. Qu'est-ce que vous faites là? Rien. On se baladait, on a vu votre vaisseau et on voulait voir s'il y avait des gens dedans, quoi, c'est tout. Et du coup, on en a profité pour voler l'autoradio aussi. T'es con, quoi. Je leur raconte une histoire pour faire diversion et s'enfuir. Et toi, tu leur racontes toute la vérité. Moi, je suis con, mais toi, t'es con, ouais. Si je fais ça, c'est pour montrer qu'on est honnête. Comme ça, on gagne leur confiance. Et quand ils y croient pas, boum, on s'enfuit. Excusez-moi, les mecs, mais en fait, là, on entend tout ce que vous dites parce que vous parlez à voix haute et du coup, bah, on sait tout ce que vous avez prévu de faire. Ouais. Quoi, vous nous entendez quand on parle? Ouais, on entend tout, ouais. Et c'est pas possible, en fait, parce qu'on est, télépathes. Bah, la télépathie, logiquement, vous êtes pas censé bouger les lèvres. Ils sont trop cons. Là, on entend tout. Non, mais non, on est télépathes. Bah, là, quand vous parlez, on entend vraiment ce que vous dites. Enfin, t'entends pas si je dis camion? Camion. Camion. Ouais, bon, ok, vous, c'était un peu facile aussi. Et hélicoptère. 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 Est-ce que c'est un véhicule aussi? Attends, passage piéton? Passage piéton? J'ai pété du sperme! T'as pété du sperme? C'est dégueulasse! Mais comment il est arrivé là? Comment, oui. Ok, Francisco. À trois, on y va. Non, non, mais on vous entend vraiment, là. Bah, du coup, on sait vraiment ce que vous allez faire quand après, quoi. Ouais! Mais Gaël, on a tout entendu ce qu'ils allaient faire, du coup on savait ce qu'ils allaient faire et on n'a rien fait. Mais non, mais c'est pas grave, regarde Matt, ils ont oublié de prendre l'autoradio, c'est con. Ah ouais. Il est où l'autoradio? Quoi?
L'autoradio. Le quoi? Le quoi? Hey Gaël! Quoi? Qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle tenue? Bah, j'en pense que même Jean-Paul Gaultier, il trouverait ça super pédé, hein! Ah bon? En fait, je me suis dit que comme on était dans l'espace, ça serait bien qu'on ait des tenues un peu futuristes, quoi. Franchement, je préférais que t'ailles te changer parce que là, ça me met vraiment mal à l'aise. En plus, je viens de voir sur le radar qu'on va bientôt traverser un champ de couilles stéroïdes et on va avoir besoin de tes talents de pilote. Ok. Super. Je tiens la barre en attendant. Oui, tiens bien la barre. Pétard, c'est la première fois que je traverse un nuage de couilles stéroïdes. Ah, moi, une fois, j'avais déjà fait ça avec mon oncle. Ok. Oh, ça vient de frapper, qui ça peut bien être? Je vais ouvrir. Non, Bat, attends, si jamais t'ouvres la porte, on va être aspiré par l'espace. Ouais, je sais, mais quelqu'un a frappé, faut bien qu'on aille voir qui c'est. Attends. Bat, regarde, c'est un piège. Oh, mais comment on va faire? Je sais. Fermez la porte à clé! Eh, ça y est, c'est bon! Ah, cool! Ah, merde, ils ont fermé la porte à clé! Ah, flûte, c'est vraiment pas de chance, ça! Bon, écoute, on aura essayé, hein, c'est ça le plus important. Je crois que le plus important, c'est surtout qu'on trouve les auteurs de ce sketch, parce que là, on se fait un peu chier, quand même. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, si tu te fais chier, tu peux le sucer. Non, je déconne. Ou peut-être pas. Mais en fait, si, je déconne. Ou peut-être pas. Bon, c'est du Bat-et-Gaël tout ça. Cette histoire va sans doute finir dans un... Gaël ? Mais quoi ? Gaël, regarde devant ! Oh mon Dieu ! Estelle, faut vraiment qu'on arrête de bouffer de la merde, là. Ça me défonce le cul.